Bonjour, aujourd'hui, Bébel fait le bobo. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. La plus longue série de victoires au casino a permis à un joueur de transformer 50 dollars en 40 millions de dollars en moins de deux ans. Vérifions tout de suite cette info avec notre correspondant Jean-Paul Beaumanteau. Bonjour Jean-Paul, où êtes-vous ? Bonjour Pierre-Yves, je suis à Tac Tac Badaboom City. Alors Jean-Paul, confirmez-vous cette info ? Mais bien sûr mon coco, je confirme, je valide, j'acquiesce et en un moins de temps qu'il faut pour le dire, j'approuve. Et oui, le petit Amerlock s'est aventuré entre les bancs dimanche chaud et le tapis vert, et en moins de 2 piges, il a ramassé le Grisby. Tout ça pourquoi ? Pour s'offrir le boulevard des Allongés en sable blanc aux Caraïbes. C'est pas beau, ça, c'est pas beau. Alors moi, je dis, quand un gugus de l'oncle Sam taquine la chance à ce niveau-là, il y a de la tribulation en Chine pour son voyage de noces. Eh bien, merci Jean-Paul pour vos envolées lyriques et la validation de cette info BVI. Mais de rien, tu sais bien que je suis l'homme de l'info. C'est beau mon temps ! Je pourrais avoir un autographe ? Pas de problème, mon gamin. Tiens-moi ma pépette. T'inquiète pas, elle mord pas. Je prends mon stylo Dupont et je te fais l'écriture. T'as le bonjour d'un vieux Saint-Jean l'hiver. Hein. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.